3 within the airport. Please maintain a 1 meter distance below the passengers and staff. Allez, viens de la part de la musique française.
permettre de partager ce moment avec vous. Ça va être court, on ne va pas vous embêter trop longtemps. Donc je me présente, je m'appelle Christina. Je suis vocaliste de blues, mais aussi poétesse. Et j'ai développé un concept percussif sur une vingtaine d'années. Il faut savoir que mon père est ivoirien. C'est un guide de l'autre. Sauf qu'il est tombé amoureux de ma mère, qui est martiniquaise, et puis il m'a eu. Donc j'ai grandi en Côte d'Ivoire, jusqu'à l'âge de 18 ans, puis après je suis partie en France étudier. Je suis revenue en Côte d'Ivoire, et je suis tombée amoureuse d'un jeune ivoirien. Maxime Perrin, qui est un collaborateur avec qui je travaille régulièrement. On va éviter les grands discours. Je vais jouer direct, comme ça, on pourra parler. Merci. Le directeur de l'école de musique, l'école nationale supérieure de musique et de danse, et le directeur du, on a dit le directeur du conservatoire, non? Oui, voilà. Le directeur du conservatoire. Voilà. En 2013, j'avais déjà commencé à enseigner ici, et en 2013, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse du gouvernement chinois, donc je suis parti à Shanghai, une bourse blanche avec les mains que je veux. Et je suis parti, j'ai présenté pour la direction d'orchestre, ils m'ont demandé des vidéos, ils m'ont demandé s'il y avait un orchestre en Côte d'Ivoire, j'ai dit il n'y en a aucun. On dit mais pourquoi vous venez diriger, vous venez faire la direction d'orchestre? J'ai dit quand je vais retourner, je vais créer mon orchestre.
Et donc c'est comme ça l'histoire a commencé. Il y a un orchestre. Il est en train, j'ai reçu un groupe, il est en train de travailler. On est en train de travailler. Et en 2015, c'est un dessin qui m'a dit. T'as laissé dans la piscine. Bon voilà, tu es venu, tu prêtes ton orchestre. Il y avait 4 violonistes. Aujourd'hui, nous avons en classe d'orchestre, nous avons 90 environ. 90 instruments à cordes. Et parmi eux, on peut vraiment en extraire une bonne trentaine capable de présenter quand même pas mal de les corps, il y a une classe qui est ouverte maintenant. Oui, il y a une classe. Les deux corps sont ouverts. Ah, d'accord, vous passez tout à l'heure à l'examen. Prépare la copie, il y a examen de corps tout à l'heure. Je t'entends rire pour ne pas détruire, car ici se passe le silence. Amour pour moi. Oui, alors c'est un mot qui vous permettrait de nous expliquer tout ce par quoi vous êtes passé ou tout ce que vous ressentez par rapport à votre expérience depuis que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire et que vous êtes dans ce processus de perfectionnement de langue. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été... Comment vous résumeriez en un seul mot à choisir? Ou parfois on peut passer par le premier mot qui vous vient à l'esprit, ou bien la première image. Ça peut être une image qui vous a frappé dès que vous êtes arrivé, ou une impression que vous avez eue dès que vous êtes arrivé, ou bien ça peut passer effectivement par la réflexion, si vous êtes plus introspectif, pour résumer en fait le moment ou le temps. Donc il y a plusieurs options, il n'y en a pas qu'une seule en fait. Ça dépend vraiment du caractère de chacun et de comment habituellement il fonctionne. Soyez bien installés, soyez les bienvenus. C'est certains visages que je reconnais, je vous salue bien bas. Aujourd'hui, nous vous présentons un spectacle. Dans le cadre de Novembre numérique, qui est la dernière activité de quelque chose qu'on a commencé déjà la semaine dernière avec MMO, Medicine Man Orchestra, pour ceux qui étaient ici. Et ensuite, nous avons poursuivi avec une série d'activités numériques, digitales, avec, donc depuis le 18. Et on finit aujourd'hui donc avec ce concert immersif de Christina Go. C'est le spectacle Miroir. Je vous souhaite un très très bon spectacle et on se retrouve à la fin. Merci beaucoup, bon spectacle. Je n'ai pas oublié.
laissez pour continuer pour moi. Je sais toujours tous tes moments où tu regardes comme absent les oiseaux s'envoler. Je t'aime.